Bonjour et bienvenue dans l'ivresse du moment. Mes lectures, non plus en cours dans cette nouvelle formule, mais les trois dernières lectures que j'ai terminées. Trois lectures qui peut-être me seront, puisque c'est une série qui devrait se poursuivre, trois lectures qui ne seront peut-être pas toujours directement liées entre elles, mais qui se trouvent être ici, sur mon bureau, et qui se trouvent être ce qui m'a occupé dernièrement. Donc l'idée, c'est de prendre quelques notes orales sur ces lectures, c'est de vous les lancer à la figure, c'est peut-être pas le bon terme, mais de vous les proposer. Alors, quelles sont ces trois dernières lectures? J'avais déjà parlé de Karl Ove Knausgård, Comme il pleut sur la ville, la cinquième partie, sauf erreur, livre 5 de ce livre, Mon combat, qui est une autobiographie. Il y a aussi eu le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Hénard, un roman, et puis Laura Kashishke, Rêve de garçon, un livre d'une auteure américaine que j'ai lu aussi tout à fait récemment. Commençons par Knausgård. Knausgård, j'en ai déjà parlé, il nous raconte sa vie. Il la raconte avec beaucoup de détails, sans phare, en nous montrant aussi les choses plus dures de cette vie, ce qui fait qu'on s'identifie à lui, même si parfois on aimerait bien ne pas s'identifier jusqu'au bout, notamment quand il commence à trop boire et à se comporter d'une manière tout à fait malsaine, voire violente, notamment avec des femmes. Et on sent bien qu'il y a un malaise dans la vie de ce jeune homme, dans ce passage-là. C'est sans doute ce jeune homme sur la photo. C'est un homme qui a entre 20 et 30 ans, qui va vouloir écrire, notamment dans une académie d'écriture, qui va ensuite aussi faire des études, qui va écrire son premier roman, qui va avoir un certain succès après avoir été refusé plusieurs fois, et après qu'il ait souvent renoncé. Donc on entre dans le quotidien de la vie de cet homme qui voudrait écrire et qui n'y parvient pas tout à fait, puis qui y parvient mais sans le succès qu'il aurait aimé, ou avec un succès d'une nature qui ne le contente pas tout à fait. Et puis on voit aussi naître ses amours, et on les voit aussi se casser la figure, notamment à cause de ses propres comportements, au moment où il va tromper la femme qui m'aime, je ne sais pas qui c'est, mais la femme qu'il aime, où il va même être accusé par une femme avec qui il a couché un soir, où il avait trop bu justement, il va même être accusé de viol. Il dit, et son entourage dit, et cette femme reconnaît ensuite, que ça n'était pas le cas, mais on voit quand même que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est dérangeant dans la vie de ce personnage et dans la manière dont il parle de ce qu'il a vécu. Donc on est affaire à une biographie qui entre très profond dans les fissures de cet être-là. Et cette autobiographie me semble intéressante pour ça, parce qu'elle ne cache pas ce qui est désagréable. Et puis elle est aussi intéressante par sa structure, dans le sens où elle n'est pas forcément chronologique. On est à l'époque où il se trouve à Bergen, entre ses 20 et ses 30 ans, mais en fait on se rend compte au bout d'un certain temps qu'il nous avait déjà un peu parlé d'un événement qui avait lieu à la même époque, qui est la mort de son père. Mais quand on lisait La mort d'un père, le premier volume de Mon combat de Knausgård, tout ce contexte
de Bergen, de son mariage et de ses histoires d'alcool était, au fond, pas connu de nous. On se retrouve à la même époque avec un éclairage nouveau et c'est assez intéressant. Il me reste un volume à lire de cette autobiographie de Karl Ove Knausgård, ce sera pour un peu plus tard. Mais lire la vie des gens me paraît être quelque chose qui est nécessaire. C'est pour entrer dans la vie des autres, dans leur intimité, Karl Ove Knausgård nous la dévoile complètement, qu'on lit aussi. Alors parfois, évidemment, et je passe au deuxième livre, cette intimité n'est que fiction. La fiction permet peut-être à l'auteur de révéler certaines choses tout en prenant de la distance. Ce que Knausgård fait avec peut-être la distance temporelle, mais pas forcément avec une distance entre lui-même et ce qu'il raconte. Mathias Sénard, le banquier annuel de la confrérie des Fossoyeurs, qu'est-ce que c'est? C'est un roman. C'est un roman qui m'a un peu piégé. Et c'est ce que j'attends d'un roman. Donc ça, c'est un piège dans lequel je suis tombé avec délice. On commence à lire le roman avec un ethnologue, un ethnographe, un anthropologue, quelque chose comme ça. C'est pas encore très clairement défini chez lui parce qu'il est en train de faire une thèse sur la ruralité de cette région des Deux-Sèvres dont est originaire Mathias Sénard. Donc l'autobiographique n'est peut-être pas si éloigné que ça. Et donc cet universitaire se rend sur le terrain et commence à rédiger un carnet. 11 décembre. J'ai résolu d'appeler cet endroit la pensée sauvage, bien sûr. Je suis arrivé il y a 2 heures. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais consigner dans ce journal, mais bon, des impressions et des notes qui constitueront un matériau important pour ma thèse. Et on se dit, bon, on va lire ce carnet de thèse, et puis il va rencontrer des gens, il va nous raconter un peu ce qu'il vit dans cet endroit qui s'appelle la pierre Saint-Christophe, près du marais Poitevin, vous voyez à peu près où c'est sur cette carte. Ben, on découvre des personnages, un entrepreneur de pompes funèbres qui est le maire du village, une jeune femme qui cultive des légumes avec son frère qui est capable de réciter l'éphéméride de tous les jours possibles et imaginables, et son grand-père qui est assis dans un fauteuil et qui ne fait plus grand-chose. Un artiste aussi parisien venu se réfugier dans les Deux-Sèvres pour pratiquer son art de manière assez secrète parce qu'il fait des choses qui sont assez scandaleuses, etc. On découvre ces personnages et on se dit bah, ça va durer comme ça tout le livre, les 400 et quelques pages du bouquin, ce sera le journal de cet ethnographe. Sauf que non. Sauf que tout d'un coup, il y a une rupture. Sauf que tout d'un coup, on a un deuxième chapitre qui change de narrateur et qui nous parle à nouveau des mêmes personnages, d'un point de vue externe cette fois. Et ces personnages vont entrer dans la roue. Qu'est-ce que c'est que la roue? C'est la roue des réincarnations. C'est-à-dire qu'à leur mort, ils deviennent quelqu'un d'autre, à une autre époque. Souvent, dans des lieux proches, on reste dans cette même région, mais tout d'un coup, on se retrouve au XVIe siècle, l'un des personnages a été dans une vie antérieure ou sera dans une vie après, le temps se mélange beaucoup, Agrippa d'Aubigné par exemple, ou alors vous avez ce personnage du curé qui toute sa vie a lutté pour rester abstinent et qui devient un sanglier et qui peut enfin se lâcher. Et donc la roue nous fait éclater ce monde-là en plein d'histoires, plein de récits, plein de vies qui s'entremêlent, on n'y comprend pas grand-chose, mais il y a une sorte de force, de puissance vitale et de destin qui se croise, qui est assez phénoménal. Mais à nouveau, Mathias Sénard coupe, et il y a des chansons. Il y a des moments où
on a ces espèces d'intermèdes où on entre dans une chanson. Foule que Valère de Couëx ait pris les armes à la main, le 22 Nivose de l'an 2, non loin de sa demeure, le château de Bretignolles-sur-Mer. Après une brève escarmouche, au lieu dit la chaise Giraud. Et puis on nous raconte l'histoire de ce fameux Foulque qui sera enfermé dans les prisons de Nantes. Et la fille du geôlier va jouer une histoire. Enfin, jouer une histoire, va nous inventer une nouvelle histoire. Et c'est pas fini. Au milieu du livre, le plat de résistance, le fameux banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs. Le maire du village, on savait qu'il était entrepreneur en pompes funèbres. Eh bien, maintenant, on va assister à ce moment extrêmement drôle, extrêmement vivant. Le terme de vivant ici est assez ironique. Qui est ce congrès annuel? Voilà comment ça commence. Mes bons fossoyeux et tristes besogneux, grand maître Séchepine, trésorier gros molard, chambellan Bitebière, amis et confrères, nous voici une année de plus réunis pour célébrer, 2 jours durant, l'arrêt de notre triste métier, la pause que le destin nous octroie depuis l'aube des temps, 2 jours où nous ne porterons pas les corps en terre, où la mort elle-même nous accorde de nous réjouir pour oublier ce que nous savons tous, que nous finirons dans ses bras, la dernière amante, la même pour tous. Voici le banquet annuel de notre confrérie. Comme tous les ans, depuis que le monde est monde, où nous allons ripailler, nous remplir la panse et le gosier, réjouissons-nous, frères de tristesse, et laissons nos longues figures pour de gigantesques rires. Mais avant tout, et comme nos ancêtres, réglons-nous pour boire, car il ne sera point dit que les fossoyeurs rouleront sous la table avant l'heure. Je vois déjà vos regards caresser les flacons, etc. On nous décrit cette beuverie et ce repas gargantuesque, et tout est sous le patronage de Rabelais. Très clairement, il est tout à fait mentionné. Et il y a une sorte de fête et de pied de nez à la mort qui est fait par ces fossoyeurs à ce moment-là, et qui est extrêmement réjouissant à lire. Puis, on retrouve la roue du destin qui reprend avec tous ces destins qui s'entremêlent, puis des chansons, puis le journal de l'ethnographe qui reprend à la fin du livre. Quelques mois plus tard, et les choses ont changé entre deux. Bref, un roman, oui, mais en fait plusieurs romans, plein de romans. Et c'est ce qui fait que ce livre-là m'a emballé, c'est que je ne lis pas qu'une seule histoire. Je lis toutes les histoires, toutes les vies humaines qui s'entrechoquent. Et c'est ça qui est fascinant, qui s'entrechoque avec cette présence de la mort, mais de la mort comme promesse d'une nouvelle vie, d'une vie autre, d'une vie qui n'a pas grand-chose à voir avec la précédente. Bref, un livre absolument fantastique, Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs. Dernier livre, d'un style totalement différent du précédent, aussi un roman. Rêve de garçon de Laura Kosciuszko, une auteure américaine, lu parce que j'avais entendu parler de cet auteur, mais aussi parce que dans le contexte actuel, la question de la place des femmes et du regard porté sur les femmes est une question qui est un peu partout, avec des polémiques, avec des questions qui se posent, notamment pour les hommes. Je ne suis pas cette jeune fille-là, ni celle-ci. Je ne suis pas du tout comme la narratrice de ce roman qui est cheerleader, pom-pom girl, au fin fond des États-Unis. C'est un monde qui m'est totalement étranger. Je n'ai pas comme elle
17 ans, et je ne vis pas dans les années 1970 comme elle, mais mine de rien, c'est aussi ceci qu'on demande à la lecture, c'est de décentrer le regard, c'est de percevoir le monde avec les yeux de quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est ce que fait ce livre-là. Avec une présence, comme chez Mathias Sénard, de la mort, d'une menace qui va imprégner ce livre-là, livre pourtant de la jeunesse, de l'adolescence, du corps qui est magnifié, qui est mis en avant, de la du corps d'une jeune fille de 17 ans qui est une jeune fille belle au bronzage parfait, qui sourit tout le temps et qui est une sorte d'incarnation de ce que l'on imagine comme étant l'américaine type, l'américaine qui a réussi mais avec une part de superficialité. Donc cette présence du corps qui se dénude, du corps qui justement aujourd'hui nous interroge notre rapport en tant qu'homme au corps des femmes, il est mis en doute, mis en question, comment je regarde une femme dont le corps m'attire, qu'est-ce que je peux faire dire à ce regard. Il y a des passages où la narratrice dit sentir physiquement le regard de certains hommes sur elle, et notamment de deux garçons qu'une équipe de trois pom-pom girls en fugue pendant quelques moments du camp où elle se trouve. Ce regard de ces garçons qui va leur faire peur, qui sera la clé de cette histoire, et qui va insinuer ce côté malsain, ce côté lourd parfois, de l'homme qui met le grappin sur les femmes, même si peut-être elles se font des idées, ces jeunes filles, sur ces regards d'hommes. Est-ce que ces regards d'hommes sont vraiment des regards concupiscents et dangereux? Je ne vais pas dévoiler la fin du livre, mais il y a des questions comme ceci qui se posent. Donc là aussi, une lecture qui m'a beaucoup intéressé, de par le dépaysement et le décentrement qu'elle permet. Et au fond, ce qui rend ces lectures, qu'elles soient de fiction ou autobiographiques, chez Knausgård, intéressantes, c'est, je crois, le fait qu'elles me font entrer dans le monde de quelqu'un d'autre, qu'elles me font sortir de moi-même et de mes obsessions. Il y a d'autres obsessions qui peuvent combiné avec les miennes, mais tout d'un coup, l'espace de quelques minutes, de quelques heures de lecture, je suis ce jeune homme écrivain raté, ou en tout cas en apprentissage à Bergen, je suis cet ethnographe au fin fond des Deux-Sèvres, près du marais Poitevin, je suis tous ces personnages qu'il fait vivre. Et mourir, je suis cette pom-pom girl de 17 ans, même si j'ai pas tout à fait le physique de l'emploi. Voilà, c'était une nouvelle version donc de ce journal de lecture, parler des trois derniers livres que j'ai lus, amener quelques réflexions qui valent ce qu'elles valent, elles sont faites un peu comme ça, comme impression de lecture. Il ne s'agit pas de donner des points de vue définitifs et des analyses précises de ces livres, mais d'en garder une trace.
Parce que quand on lit, et quand on lit beaucoup surtout, on a tendance à défiler devant, à faire défiler devant nos yeux plein de mots. Et puis finalement, on se retrouve devant sa bibliothèque quelques mois, quelques années plus tard, et on se dit, j'ai lu ça. Qu'est-ce que j'en garde? Et souvent, ben rien. Ou on ne saurait plus quoi dire. Ben là, au moins, j'ai cette trace de ces lectures-là. Est-ce que ce seront des lectures marquantes auxquelles je reviendrai ou pas? Je ne suis pas du tout certain, mais en tout cas, j'ai pu en parler, et puis autant en parler à vous qui m'écoutez, et que d'ailleurs je remercie de m'écouter. Je vous souhaite une excellente journée, et dans trois livres, ben, la suite de ce journal.